pour être. Pourquoi je filme? Parce que je pense que c'est la seule manière que j'ai trouvée pour pouvoir m'exprimer. Si j'aurais pu être musicien, je l'aurais fait. Si j'aurais pu être écrivain, je l'aurais fait. Si j'aurais pu être peintre, je l'aurais fait. Si j'aurais pu être... Enfin, pour c'est la seule manière que j'ai trouvée pour pouvoir m'exprimer. Mais je ne me suis jamais posé la question autrement, parce que j'ai grandi dans le cinéma. Je vivais sous un studio de post-production à partir de l'âge de 6 ans, à Téhéran. Et donc j'ai voulu être cinéaste. En fait, non, c'est pas vrai. Au début, je voulais être monteur. C'est quand je me suis retrouvé à l'école de cinéma que je me suis retrouvé avec des cinéastes qui ne me laissaient pas monter. Donc je me suis dit, il faut que je tourne pour pouvoir monter. Méliès, c'est l'expression de... C'est l'art dans toute sa forme. C'est l'expression d'un pensée ou d'une émotion. Alors que les frères Lumière, j'ai tendance à penser au réel. J'ai commencé comme enfant acteur, quand j'avais 8 ans, dans un film néo-réaliste iranien d'un réalisateur qui s'appelle Varouche Karimassi. Et j'ai connu Kiarostami à cette époque-là aussi. Il n'avait pas encore fait son premier long-métrage. Quand j'ai rencontré Kiarostami, il travaillait au-dessus de chez moi. Donc, j'ai vu ces cinéastes, mais comme tout cinéaste, je pense que les cinéastes s'intéressent au cinéma en général. Donc en Iran, avant la révolution, il y avait une énorme influence du cinéma américain, parce que le régime de l'époque était plus proche des États-Unis, donc on voyait beaucoup de films américains. J'ai grandi avec Ford, alors que j'étais en Iran, mais le John Wayne que je connaissais parlait persan, il parlait pas anglais. Après, à cause de ces cinéastes qui s'intéressaient au réel, j'ai très vite rencontré Rossellini dans le sens de son cinéma, parce que ça intéressait aussi les cinéastes iraniens. Et puis Ozu aussi, ça intéressait les cinéastes iraniens. Donc je ne peux pas dire qu'il y a une technique qui appartient à un pays plus qu'à un autre. Il y a les moyens qui sont peut-être différents. Mais à cette époque-là, en Iran, il y avait les moyens. Par la suite, quand j'ai tourné les films, j'ai tourné les films avec les mêmes moyens que j'ai connus au départ, parce que il n'y a jamais eu un changement de moyens. C'est peut-être pour ça que je me suis retrouvé aussi dans ce mouvement réel, au fond. Mais non, je n'ai jamais différencié. En Angleterre, quand j'ai fait mes études de cinéma, le documentaire était quelque chose de très important par rapport à la culture anglaise. Parce que c'est vrai que souvent, en Angleterre, on vous dira toujours, pour faire de la fiction, il faut passer par le documentaire. Ça fait partie de l'école anglaise, si on veut. Mais pendant que j'étais à l'école de cinéma en Angleterre, j'ai aussi travaillé avec Carax à cette époque-là. Donc c'est pour ça que je vous dis l'idée de nation, parce que, ayant passé ma vie dans ces trois pays, parce que je parle français aussi, très tôt, après la révolution, je suis parti au moment de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc je me suis retrouvé en France, et j'ai même appris la langue française au cinéma, pas à l'école. Parce que j'allais voir des films, on n'avait pas beaucoup de moyens à cette époque-là. Et donc quand j'entrais dans une salle, je restais les 4 séances. Donc j'ai vu, ça va vous faire sourire, mais un film que j'ai dû voir 2 jours d'affilée, c'était Le Professionnel avec Belmondo, parce que j'essayais de comprendre ce qu'il était en train de dire en fait. Et je ne parlais pas français. Et donc, voilà, je me suis retrouvé là-dedans comme ça. Après, j'ai appris qu'il y avait des films en VO, enfin. Donc, je voyais les films en VO plus tard, les films en anglais, parce que je parlais aussi anglais. Mais j'ai appris la langue française dans les salles de cinéma. Je séchais beaucoup mes cours aussi, donc j'allais tout le temps au cinéma. Et je vous raconte ça parce qu'au fond, étant à Paris, à une période de mon enfance, donc il y a quand même une large... Le cinéma du monde se retrouve à Paris. Donc je finissais par voir beaucoup de films de partout dans le monde, comme ça. Et ce qui est étrange, c'est que mon apprentissage de cinéma s'est fait
sans comprendre forcément la langue dans laquelle les films que les films parlaient, parce que je regardais une affiche, je me disais, tiens, Les Sept Samouraïs de Kurosawa joue à la Cinémathèque. Je l'avais vu en Iran quand j'étais petit, donc j'allais le voir à la Cinémathèque à Paris. Mais comme je n'arrivais pas à comprendre les sous-titres, je regardais le film donc en japonais sans parler japonais. Donc c'est très étrange parce que mon apprentissage du cinéma a commencé sans dialogue presque. Un film, c'est toujours intéressant parce que là en plus vous m'avez parlé du plan large, les rouges. La station de service a été choisie pour cette couleur rouge parce que le fil conducteur du film est la couleur rouge. Parce que dans la zone de guerre, zone de désert, il y a des panneaux de stop rouges. De l'autre côté au Mexique. À chaque fois, en fait, il y a toujours un clin d'œil sur le rouge. Parce que moi, j'ai une obsession sur les fils conducteurs, la couleur d'un film. Et là, en l'occurrence, c'est la couleur rouge. Alors, le cadre, je vais commencer par le dernier plan de cette station-service, parce que c'est celle-là qui dicte les autres plans qui le précèdent. Comme je voulais faire un film sur la situation d'un green card soldier, donc un soldat immigré qui, pour devenir américain, passe par l'armée, j'avais rencontré beaucoup de green card soldiers. J'ai vu qu'ils avaient tous un tatouage d'un ourson dans un bac à sable. Quand je leur ai posé la question pourquoi l'ourson dans un bac à sable, ils m'ont dit parce qu'on appelait le Moyen-Orient le bac à sable. Donc, ce phrase, le bac à sable, est devenue la raison pour laquelle je voulais utiliser des téléobjectifs pour écraser le paysage et pour enfermer les personnages, comme s'ils ne pouvaient pas s'échapper de ce bac à sable. Je vous raconte ça parce que là, alors qu'on n'est pas dans le Moyen-Orient, j'ai fait la même chose. C'est que mon personnage dans cette station d'essence, étant un ancien vétéran, le moment où il se trouve cerné par la police, il est dans le bac à sable. Parce qu'il est enfermé, il ne peut plus s'échapper. Donc le cadre, et avec une lens de longue focale, c'est une situation où il ne peut pas s'échapper. Il essaye pourtant de s'échapper du cadre et il revient dans le cadre. Mais il est d'une importance terrible, parce que c'est pour moi annonciateur de ce qui se passera plus tard dans le film. Le premier plan que vous avez décrit dans cette scène, quand la voiture arrive, c'est tout le contraire, parce que le personnage principal et les personnages avec qui il arrive arrivent dans ce qu'ils pensent, eux, être un espace de liberté. Donc c'est tourné avec une grande angle, et quand la voiture arrive, il y a une tranquillité. Même s'il y a la voiture de police qui passe derrière dans le plan, c'est la tranquillité. Ce que j'ai voulu faire là, c'est entrer. Ou plutôt, comme si les murs commençaient à se serrer petit à petit. Donc, je les laisse descendre de la voiture en toute liberté. Le caméra se trouve enfermé au moment où Nero arrive. Et là, déjà, le caméra a une sorte de couloir. Donc, le couloir se serre. Il y a un travelling pourtant, parce que le personnage, Nero, se sent libre. Donc, comme il se sent libre, le caméra l'accompagne. Et puis, il est entouré d'objets parce que il va s'acheter des cigarettes, de consommation, un peu les couleurs des États-Unis, etc. Et il a une liberté comme ça. Et après, le caméra revient avec lui, et là, on le voit s'arrêter. Et il regarde, et on a son point de vue, deux policiers qui arrivent vers ce personnage. Comme ce personnage était très important, à partir du moment où les deux policiers arrivent, Nero se casse. Il sort de cette boîte où il est fermé, et le caméra sort. Et on voit ce plan qui dure 3 minutes de cet acteur qui est dans une piège et son altercation avec la police. Et pour moi, le cadre est très important parce que si j'avais commencé cette scène avec une longue focale, donc accompagner la voiture qui arrive dans la station-service, les murs pourraient pas se fermer. Donc j'enlèverais de l'état de mon personnage par la suite. Parce que finalement, ce qu'on va faire avec un caméra, c'est écrire. Et l'écriture, pour moi, c'est ça.
c'est s'inspirer du sentiment du personnage qui se trouve dans le cadre et de le faire ressentir au spectateur par rapport à ce que le personnage est en train de ressentir. Parce qu'après tout, le spectateur s'identifie ou est en tout cas plus proche du personnage principal qu'autre chose. Donc voilà, c'est ce... Si on prend tous ces plans, le premier plan, on a un son ambiant plutôt calme, mais on rajoute un son de la voiture de police. Comme si je voulais annoncer quelque chose. En tout cas, qu'il y a une présence policière dans l'endroit où ils sont. Parce qu'il y a une voiture qui s'en va en arrière-plan, il allume son gyrophare et il s'éloigne. Mais on entend le son qui s'éloigne. Quand je viens dans le plan d'après accompagner Nero, il y a le son à l'intérieur de cette boutique où il veut acheter les cigarettes. Et là, le son est très calme et on n'entend plus l'extérieur. Il y a un son calme, il y a juste un son, toutes les sons de la porte qui s'ouvrent, qui se ferment, mais il faut que ça reste très calme. Et tous les bruits ambiants d'extérieur, je réduis. Et quand on fait le montage son, en fait, on refait tous ces sons. Parce qu'on ne va pas le faire avec un micro normal pour justement donner une impression de tranquillité. Et après, on entend comme une alarme qui de temps en temps, dun, 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 dun. Il y a ce son qui va accompagner le travelling de Nero au moment où il revient et qu'il s'arrête. Par contre, cette son-là, il disparaît au moment où on voit son point de vue. Là, on entend des discussions étouffées qui se passent à l'extérieur. Donc, il y a deux policiers qui vont vers l'homme qui se demande ce qui lui arrive. Nero s'en va. Au moment où il court, la porte s'ouvre et on entend la dialogue de l'homme qui est à l'extérieur, qu'on n'a pas entendu jusqu'à maintenant, qui dit « Mais je suis un vétéran. » Et ça, peut-être la première chose qui annonce finalement qui était cette identité qui accompagnait Nero pendant tout ce temps-là. Et après, grâce à son dialogue, alors qu'il est hors champ, le caméra se permet d'aller le trouver. Et donc le caméra se retrouve à l'extérieur et là on entend les dialogues. Mais le bruit est comme le plan, c'est-à-dire que subitement, comme notre personnage est en difficulté, toutes les sons qui l'entourent sont agressives aussi. I'm not causing a problem. I'm talking to you, man. I just want you guys to relax. All I want you to do is relax. C'était comme si il lui donnait du mal à pouvoir communiquer parce qu'il y a trop de bruit et du coup, il y a comme une agression de la part de l'ambiance sur le plan. C'est vrai que moi, ma famille de cinéastes, ou plutôt ceux qui m'ont appris le cinéma ou ceux qui m'ont inspiré parce que il y a Cassavetes que je mettrai au-dessus de tous, c'est que il faut que le film vous surprenne. Et que quand on tourne un film, tout ce qu'on aurait calculé n'est jamais aussi intéressant que ce qu'on pourra finir par provoquer. Et finalement, qu'est-ce qui est excitant au cinéma, c'est aller au-delà du scénario. Jean-Pierre Melville, une fois, on lui avait dit, pour vous, finalement, ce qui est le plus important, c'est le scénario. Et il a dit, le scénario, c'est 50%. Après, il prend une petite pause comme ça, et il dit, les acteurs, 50% aussi. L'image, 50%. Montage, 50%. Et montage son, mixage, 50%. Après, il prend une petite pause et il dit, comme vous voyez, il y a beaucoup de 50%. Mais c'est pour vous dire que s'il y a une de ces choses-là qui ne va pas, le film n'est qu'à moitié bon. Et c'est ça le cinéma, c'est que c'est jamais une chose. Et pour moi, un film, plus on arrive à donner des choses au film, c'est comme des couleurs, en fait, ou des trames. Pourquoi on a envie de revoir les films de l'histoire du cinéma, ou en tout cas les bons films ? On connaît déjà l'histoire, mais pourtant on les revoit.
Et on ne peut pas forcément expliquer pourquoi on le revoit et pourquoi on prend autant de plaisir. Mais moi, je suis convaincu qu'on prend du plaisir au cinéma, parce que plus on revoit un film, plus on voit autre chose. Et c'est parce que le cinéaste a proposé autre chose à l'intérieur du film. Et c'est ce qui fait que les bons films au cinéma sont comme des bons disques. On peut les revoir ou les réécouter, et sans cesse, on découvre autre chose où il y a une émotion qui reste toujours vif. Et c'est ça, le cinéma. Merci. Merci à vous.